Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure, attendez-nous, quand j'ai ensemble avec vous Centre de recherche et d'analyse géopolitique. Encore une fois, le temps, nous raison. Juste avant de commencer, nous prions le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour la nuit passante, bien sûr, ta divine protection. Octroie-nous des voies surnaturelles et des langues de feu et une double portion du Saint-Esprit pour annoncer avec force les derniers messages des trois anges. Nous t'en prions, nom de Jésus. Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, auditeurs, auditrices, c'est avec plaisir, encore une fois, le temps qui va étranger raison suite à série pourquoi les Noirs, le peuple noir des Amériques souffrait-il autant. Suite à série d'événements, ça, ok, nous fait en 6 portions, là encore, lundi 6 février pour arriver en mardi, Ottawa pour nommer pour la première fois un jeune de 35 ans d'origine haïtienne. C'est une double première, dit dans le grand journal au Canada. C'est une double première, yon double première. Alexandre bien-aimé Bastien, d'origine haïtienne. Pour le nommer à 35 ans, le plus jeune juge à la Cour supérieure québécoise. 35 ans, le plus jeune juge à la Cour supérieure québécoise, nommé par Ottawa. 2, premier noir qui arrivait dans la Cour supérieure. Premier noir qui arrivait dans la Cour supérieure. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, c'est avec plaisir. Nous-mêmes en tant que Noirs, nous-mêmes en tant que Haïtiens, les Noirs ça arrivé, les on a percé, c'est pas, on comprend, c'est avec plaisir, c'est pas drogue, c'est pas autre chose malsaine, mais c'est avec l'intelligence et automatiquement arrivé avec intelligence, il pas une couleur. Alexandre bien-aimé Bastien, 35 ans. D'origine haïtienne. Mais là, il pourra répondre, l'écran, j'ai te dit, qui leur sont grand avocat, qui leur sont grand magistrat assis, qui leur sont grand magistrat debout, et qui leur sont grand juriste ensemble. Et ou pourra le ça dans curriculum Alexandre, bien-aimé, Bastien, 35 ans. Regardez bien. L'un des meilleurs de sa génération, c'est ça monsieur dit dans le journal là. Il traitait plus grand dossier judiciaire, plus grand dossier judiciaire dans le pays, dans l'époque là. Plus grand dossier judiciaire. Au grand avocat, c'est le nombre de dossiers au gain. C'est pas parler dans la radio ou gain influence les son avocat. En tant qu'en Haïti, on paquet moun avocat de renom, yon fon pe moun yo. Et tandis que les appelés d'en face, c'est la nuit et le jour à sortir de la radio. Ça fait un, expérience vécue, ok? 2, li écrit yon livre de droit ou grand docteur, dans quel que soit domaine ou yon a religieuse ou autre, fon produit. Et pas arrêté miracle, miracle opéré ou. Miracle opéré, c'est pas ça. Ou son grand docteur, c'est leur produit. Il te met Jezabel, mais quand même au produit. 3. Li enseigné à l'université McGill, une grande université de droit au Canada. Li enseigné la dame. Une procédure criminelle comme ça. Parce qu'elles sont criminalistes. Ok? Li enseigné ça pour deuxième année. 3.
il était clerc à la cour suprême du Canada. 4, 5, il fait une maîtrise à Harvard. Il travaille à New York dans le plus grand cabinet. Il est membre de Trinidad et Tobago. Et il était un compagnie et membre dans le cabinet. Ok, Dana, ça a tel que il a été assassiné en 2014, il était pendant pendant la bande de la Cali dans Trinidad et Tobago. Il était associé avec elle. Je reprends. Ou sont grands dans quelqu'un soit domaine ou hier. Scientifique ou autre ou religieuse, docteur en théologie, ou bande de docteurs. En dehors des ministres, c'est très bien. Je ne dis qu'on vient pas. Mais il faut que, un, li traite ou nan plus grand dossier judiciaire qui gagne dans le pays. Un. Deux, li écrit un livre de droit. Trois, li enseigne à McGill ou produit ou enseigne ou partage. Li se clerc à la Cour suprême. Li gagne une maîtrise dans Harvard. Li travaille à New York. Non seulement il parle anglais, français et surtout créole haïtien qui c'est langue maternelle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là c'est un haïtien. Là, il va répondre avec toute poste raciste qui te gagne. Là, je suis au Canada, le Nord, le sang, les États-Unis et au sud, Mexique qui va boire l'Amérique du Nord. Les trois pays de l'Amérique du Nord. Le Canada, les États-Unis et le Mexique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le Nord se trouve le Canada, au centre, les États-Unis et au sud, Mexique. Je commence par Mexique. À l'Université de Montemorelos, dans la maîtrise de Vinfe, Luna, etc., il y a des grands docteurs qui sont là-dedans qui sont haïtiens. Le sud. Il y a un cap étudier là à Montemorelos pendant yo a dépensé y a étudié à l'université Montemorelos pour devenir un bagage. Ça fait deux dans le centre États-Unis il y a un paquet noir qui rivé qui est maîtrise yo qui des doctorat yo. Exemple nous pas besoin parler de Barack Obama, Barack Hussein Obama, Kamala Harris, Madame Obama, Michelle Obama, pour ne parler de noirs, ça y est, Adams, qui sont noirs quand même, qui magistrat New York, première fois ça fait, ils ont l'autre gouverneur encore. Philippe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Bill de Blasio. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour une dame moi, très bien, qui est candidat. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'homme tout bas ça arrive, c'est bon signe pour noir. Automatiquement arrive l'homme pas une couleur. Ou c'est un noir, ou c'est compétent, ou sont ensemble élément. Je reprends pour me pas faire vidéo à l'homme. Alexandre, bien-aimé, Bastien, d'origine haïtienne, qui accomplit une double première à partir de 6 février. 2023 au Canada. Yon double. Premier jeune qui arrive dans poste là à 35 ans. Le plus jeune. Et ensuite, premier monde de couleur qui arrive dans poste là. Ou pas yon sa n'importe côté. D'où gen des institutions qui ap combat des éléments racistes et bi gen l'autre qui kembe pa yon. Dans la deuxième partie, on a fini de suivre ça. Merci.